La paix soit avec vous.
peuple de Dieu. Au terme de nos travaux, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs devant Dieu et devant les hommes, nos frères. Pour cela, faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
prions, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce et la paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Yeah.
devant les désaccords qui règnent dans la communauté de Corinthe à cause de la jalousie et du mépris de certains membres. L'apôtre Paul rappelle que tout est don de l'Esprit. Il est le même en tous et pour tous. Écoutons sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, du verset 4 à 11. Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Thank you.
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablations rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Et lui en portait. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin et ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas interpella le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Le prophète Isaïe rappelle la vocation de son peuple appelé à faire alliance avec Dieu
son créateur et son libérateur. La relation la plus profonde qui puisse exister entre Dieu et son peuple se décline en termes de mariage ou d'alliance. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Ainsi le prophète Isaïe souhaite le meilleur à son peuple, l'attachement pérenne et définitif à Dieu. Plus un peuple s'attache à Dieu, plus les fruits abondants et le rayonnement ne peuvent être cachés. Je dis bien, plus un peuple s'attache à Dieu, plus les fruits abondent et le rayonnement ne peut être caché. Sion s'attache au Seigneur et sa justice jaillit comme la clarté. Son salut est d'abord l'œuvre de Dieu qui renouvelle son peuple par un nouveau nom, c'est-à-dire une nouvelle identité. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Lorsque le prophète refuse de se taire, les conséquences sont bénéfiques pour tous. On ne te dira plus délaissé, accompagné d'une directe désolation. C'est pour que notre pays, le Gabon, ne soit plus délaissé ou en désolation que nous sommes tous invités à refuser le silence. Oui, chers confrères dans l'Épiscopat, et vous, cher peuple de Dieu, ayons le courage de proposer l'attachement ferme à Dieu pour que notre terre soit une terre de justice et qu'elle ne s'éloigne pas de Dieu, son véritable bâtisseur. Je dis bien, ayons le courage de proposer l'attachement ferme à Dieu pour que notre terre soit une terre de justice et qu'elle ne s'éloigne pas de Dieu, son véritable bâtisseur. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus s'intéresse au mariage en se faisant proche des époux qui l'ont invité à Cana de Galilée. Dans la tradition de Saint Jean, c'est le premier signe, le premier miracle, et Jésus le destine aux noces, à la famille, pour nous en dire toute l'importance. Pour la fête des noces, le mariage est un lieu de réjouissance. Mais avec le temps, le vin s'épuise, ainsi que le constate la mère de Jésus. Ils n'ont plus de vin. C'est la métaphore du mariage humain qui commence toujours par la joie et la fête au départ, la ferveur des sentiments et l'attention des époux l'un pour l'autre, la présence et les encouragements de la famille. Avec le temps, le vin vient à manquer, la joie et l'enthousiasme disparaissent, la générosité devient nonchalante. C'est là toute la différence entre le mariage chrétien et les autres mariages. Lorsque Jésus est invité dans un mariage, il revient avec ses disciples et sa mère, qui représente l'Église. Et lorsque le vin vient à manquer, il apporte un vin nouveau. Cette perspective du mariage chrétien ainsi présentée nous dit que le meilleur est pour la fin. Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le vin bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. La joie et la plénitude du mariage arrivent au bout de la persévérance jusqu'à la fin. Après des années de vie commune et de fermeté dans la grâce du sacrement, ce n'est pas au bout de quelques années qu'on savoure les fruits véritables du mariage. C'est plutôt en vieillissant ensemble. En laissant Jésus intervenir, et donner de la saveur à ce qui est insipide. Ce mariage est un lieu de foi où les couples et les familles sont invités à écouter le conseil de la mère de Jésus.
faites pour ce qui vous dira. La deuxième lecture de ce dimanche peut aussi être liée au thème du mariage. C'est en fait l'Esprit qui distribue ses dons et ses charismes. Paul explique aux chrétiens de Corinthe qu'il y a des diversités de charismes, mais un seul est l'Esprit. Puis, il redresse la liste des nouveaux dons de l'Esprit et conclut en disant « Toutes ces choses ont opéré, sont opérées par un seul et même Esprit qui les opère, les distribuant à chacun comme il le veut. L'Esprit Saint est un acteur incontournable dans la vie du couple et de la vie de la famille. Il le vivifie et permet de discerner. C'est sous la conduite que nous sommes invités à accueillir les charismes et les dons de chacun au sein de la famille. Pour nous entraîner, pour vivre dans la complémentarité et la charité. Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce de présenter continuellement la beauté des noces dans la perspective de Jésus. Que les jeunes qui cherchent leur voie accueillent courageusement ce sacrement et que le Seigneur accorde la grâce à tous les couples en devenir de se présenter devant son autel. Pour l'amour de Sion, nous ne céderons jamais de présenter la beauté du sacrement qui permet la conduite de la famille. C'est lui de base de la société et de l'Église. Devant les tentatives de bouleverser et galvauder la famille en lui donnant un visage contraire au plan de Dieu, en valorisant des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles polygamiques, des familles homosexuelles, des familles gays et que sais-je encore, nos voix s'élèvent toujours en disant pour l'amour du Gabon, oui, nous ne mourrons plus. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
et famille, afin qu'elle puisse mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions.
l'aube de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, soit ouverte au dialogue avec les frères et sœurs afin de cheminer ensemble en Jésus vers une église synodale. Dieu d'amour, nous te prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous passons à la quête et aux offrandes. Frères et sœurs, Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux et réconcilié. Le Seigneur nous rappelle que lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. C'est Matthieu 5, versets 23 à 24. Tous ceux qui ont apporté des offrandes sont priés de se mettre déjà en procession au fond. Et veuillez suivre les consignes du service d'ordre. D'avance, nous vous remercions de votre générosité.
Yeah.
Thank you.
Mais ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même, où il fut livré, il le prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De ton Église au long de son chemin sur la terre.
Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Eusebius, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetis. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Frères et sœurs, dans la chair du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri d'un même cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien-aimé Dieu, veuillons rendre grâce à Dieu. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
édition 2022, aura lieu du mardi 18 janvier au mardi 25 janvier 2022 à partir de 17h précises sous le thème. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Matthieu 2, verset 2. Calendrier de célébration. Mardi 18 janvier, premier jour. Ouverture officielle au foyer évangélique de Tobia. Chorale, Saint-Barbe, Saint-Louis, Tobia, Sindara. Sindara, cœur de Saint-Paul, de Sainte-Thérèse. Célébration présidée par l'abbé Azarias. Prédication, pasteur Gypsy. Vendredi 21 janvier, quatrième jour, à l'église évangélique de Sindara. Chorale Saint-Barbe, Saint-Louis, Tobia, Sindara. Célébration présidée par le pasteur Patrick Paul Evan Eman. Prédication, Monseigneur Fabrice Kinga, vicaire général. Samedi 22 janvier, cinquième jour à la paroisse Sacré-Cœur de Bas-Radiation. Chorale de Sindara et Cœur Sacré, Sacré-Cœur. Célébration présidée par Père Lambert. Prédication, pasteur Gypsy. Dimanche 23 janvier, sixième jour. Livre avec échange des chorales. Saint-Paul échange avec Tobia. Sainte-Thérèse échange avec Sindara. Messe de la commission à Saint-Louis. Présidé par l'abbé Jean-Marie. Lundi 24 janvier, septième jour à la paroisse Sainte-Barbe. Chorale de Tobia, Sindara, cœur de Saint-Paul. Célébration présidée par l'abbé Roch Armand Cloudy, curé de la paroisse Sainte-Barbe. Prédication. Pasteur Patrick Paul Evan Eman. Mardi 27 janvier. Clôture à la cathédrale Saint-Louis. Chorale de Saint-Louis, Saint-Barbe, Tobia et Sindara. Célébration présidée par Son Excellence, Monseigneur Ezebus, Tinekezi Ogbona Malambu. Prédication, pasteur la commission accueille, invite les couples responsables des paroisses suivantes. Sainte-Barbe, Monsieur Koba Innocent, Madame Koumambéli, Madame Magou, Saint-Louis, Monsieur Désiré Akenere, Madame Eugénie Silon, Madame Yvonne Rigonda, Saint-Paul, Madame Innocente Mbumba, Madame Merveille Basile, Madame Monsieur Jérôme Kokou, Sacré-Cœur, Monsieur Nzamba Jean-Baptiste, Monsieur Tugunda Moïse, Madame Bibalou Chantal, Saint-Michel, Monsieur Koukou Mathurin Boulingi, Monsieur Nzinga Eliane, Sainte-Thérèse, Monsieur Koubedio Roger, Monsieur Bab Alphonse, Monsieur Junior Boura. Sans prier à se rapprocher de la commission d'accueil. Merci. Paix et joie du Christ. Amen.
et joie du Christ. Amen. Pour la famille. Pour la famille. Pour la famille. Peuple de Dieu rassemblé en célébration de clôture de la 29e assemblée plénière des évêques. Daignons à présent prêter nos oreilles pour la lecture du communiqué final qui sera effectué par l'abbé chancelier du diocèse de Port-Gentil et la lecture du message des évêques par le révérend abbé secrétaire général. D'abord, la lecture du communiqué final. Conférence épiscopale du Gabon, secrétariat général. Communiqué final. Du 11 au 16 janvier 2022, les évêques du Gabon ont célébré à Port-Gentil leur 29e assemblée plénière ordinaire annuelle sur le thème. Les enjeux pastoraux de la famille au Gabon. À la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, ont pris part les archevêques et les évêques du Gabon, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, les experts, les coordinateurs diocésains de la pastorale familiale, les couples mariés canoniquement. Les travaux étaient présidés par son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyeno, évêque d'Oyem et vice-président de la conférence épiscopale du Gabon, en remplacement de Mgr Mathieu Madega, l'évêque-ayant empêché. La 29e assemblée plénière des évêques s'est ouverte par une célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Louis le mardi 11 janvier 2022. Suivi de la cérémonie protocolaire d'ouverture dans la salle des martyrs, en présence du chargé d'affaires de l'Annonciature, du président du conseil départemental de Bengé et de madame le premier adjoint au maire de la commune de Port-Gentil. Les allocutions prononcées à cette circonstance par le premier adjoint au maire de la commune de Port-Gentil, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Gabon, le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique et son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondo-Eyeno, vice-président de la conférence épiscopale, ont salué l'heureuse initiative des évêques du Gabon d'avoir choisi un thème aussi important et d'actualité, celui de la famille, reconnue comme cellule de base de la société et de l'Église. Les travaux, après la cérémonie protocolaire d'ouverture, ont été ponctués par les conférences et les témoignages présentés par les experts sur les thèmes suivants. La famille dans la Bible, présentation de l'exhortation à Maurice Laetitia, les enjeux socio-culturels de la famille gabonaise, le contexte actuel de la pastorale familiale au Gabon, la famille et les défis sociaux actuels, la fidélité dans le couple, la communication paraverbale, enjeux en famille, difficultés des enfants dans les familles recomposées. Constatant que la famille est aujourd'hui sérieusement menacée par des idéologies prétendues modernes qui veulent la dénaturer, les évêques ont mené des réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre pour des actions pastorales renouvelées et vigoureuses suivant les orientations concrètes du Saint-Père sur la famille, contenues dans Amoris Laetitia, et à la lumière de nos valeurs culturelles, afin de susciter dans nos diocèses
diocèse un plus grand dynamisme capable de restaurer la famille dans sa splendeur. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les évêques s'engagent à publier dans un proche avenir un guide pastoral sur la famille au Gabon. Les évêques remercient Madame Prisca Kolenge, ministre des Affaires sociales et des droits de la femme, qui, par sa présence en cette clôture de la 29e Assemblée plénière ordinaire, représente le gouvernement de la République qui manifeste son intérêt pour une question importante qu'est celle de la famille. Le bien-être de la famille est un combat commun qui engage l'Église et l'État. Les évêques rendent un vibrant hommage à Monseigneur Pietro Gregorio Bielesca, chargé d'affaires représentant une once apostolique pour qui, par sa présence, manifeste la proximité du Saint-Siège et les encouragements du pape François. Les évêques remercient vivement les prêtres religieux, religieuses et tous les fidèles laïcs du diocèse de Port-Gentil, les conférenciers, les membres du comité scientifique, les coordinateurs diocésains de la famille, les couples, les médias et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont mobilisés pour la réussite de cette session. Au terme de leurs travaux, les évêques ont signé les statuts du renouveau charismatique catholique. Les évêques ont célébré une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil en présence de nombreux fidèles, des prêtres, des autorités politiques du pays. Là, ils ont livré un message au peuple sur la famille. Port-Gentil, le 16 janvier 2022. Abbé Michel-Ange Bengon Otunga, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Gabon, je vous remercie. Pour la famille, je ne dirai pas. Pour nos familles, je ne dirai pas. Pour ma famille, je ne dirai pas. La lecture du message des évêques. Des évêques, permettez-moi d'abord de lire une annonce importante venant de la conférence épiscopale du Gabon. Annonce aux prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs. Nous vous annonçons la réforme initiée par l'Église relative au nouveau missel romain pour les pays francophones. Autrement dit, certaines formules de la messe vont changer. Dans l'attente du nouveau missel, un collège présentant ces nouvelles formules et préparé par la commission liturgique vous sera envoyé prochainement. À cet effet, nous demandons au curé de paroisse d'accompagner la réception de ce nouveau missel par des catéchèses préparatoires qui s'étendront du 6 février au 4 mars 2022 avant le début des célébrations eucharistiques. Le 6 mars 2022, le nouveau missel romain entrera en vigueur dans notre église particulière qui est au Gabon.
fait à Port-Gentil le 16 janvier 2022, les évêques du Gabon. Message des évêques du Gabon à l'occasion de la clôture de leur 29e assemblée plénière sur les anges pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. À l'État gabonais, aux institutions de l'État, aux coordinateurs diocésains de la pastorale de la famille, aux accompagnateurs clercs et laïcs des familles, aux mouvements catholiques, aux familles, aux pères de famille, aux mères de famille, aux enfants, aux jeunes, aux hommes et femmes de bonne volonté. Le Créateur dès l'origine les fit hommes et femmes, et il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne doit point nous séparer. Le projet divin depuis la création de l'homme et la femme s'origine dans la Trinité elle-même. L'homme et la femme, par leur vocation, par leur complémentarité, leur fidélité et leur communion, introduisent la fraternité dans le monde. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant. Ainsi, la famille a pour finalité la communauté de vie et la procréation où les enfants sont les pires vivants de leur présence. Et leur présence est signe de plénitude tant pour la famille, pour la nation que pour l'Église. L'idéologie mondiale dominante sur la famille, marquée par des théories comme celle du genre et de la promotion de certaines libertés, tend à déconstruire la conception traditionnelle de la famille, mettant à mal nos sociétés contemporaines. La famille, base de la société d'Église, se trouve ainsi fragilisée. Au Gabon, depuis 3 décennies, on assiste à l'émergence de nouveaux visages de la famille, dont les modèles dominants sont la famille monoparentale, la famille nucléaire, la famille recomposée, au détriment de la famille élargie qui servait de filet de protection sociale tant pour l'éducation des enfants que pour les besoins de solidarité. La famille fait face à de nombreuses difficultés sur les plans social, économique, éducatif et sanitaire. Ces nouvelles réalités se traduisent par plusieurs mots parmi lesquels les déviances de tout genre qui surviennent dans le mariage, avec notamment le problème de la dot, la spoliation de la veuve et de l'orphelin, la gestion du deuil dénaturée par la paille de gain, la sexualité non responsable avec le phénomène galopant des grossesses précoces, les avortements, bien qu'interdits par la législation en vigueur, la consommation des stupéfiants de plus en plus accessibles aux jeunes, les inégalités de scolarisation, la précarité de l'emploi accentuée par un chômage endémique qui touche près de 40% des jeunes diplômés, l'inégalité d'accès aux soins de qualité, surtout en milieu rural. La famille ne saurait s'épanouir sans une véritable politique qui encourage et protège la vie. Car pour l'Église, toute vie humaine est sacrée. De la conception à la mort, elle a la même dignité et mérite d'être préservée. À la lumière de l'Évangile et de l'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur l'amour dans la famille du 19 mars 2016, nous, évêques du Gabon, en notre 29e assemblée plénière, avons examiné la question de la famille dans notre pays. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de la famille. En 2016, comme en 2019, nous vous exhortions déjà à ne pas démissionner de votre rôle de premiers éducateurs, en vous rappelant ce que le pape Benoît XVI dit à l'Église d'Afrique, je cite, « Vous êtes la cellule vitale de la société et de l'Église. » Devant les menaces que subit la famille aujourd'hui, il devient crucial
de la reconsidérer dans la perspective de l'Évangile et de l'enseignement de l'Église, afin d'apporter des remèdes aux défis de notre société en crise. À l'État gabonais, la loi fondamentale de notre pays, dans son titre préliminaire, dispose que la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État. Nous reconnaissons avec gratitude les efforts consentis par l'État gabonais à garantir la protection de la famille, efforts que nous souhaitons pérenne. Toutefois, ces dernières années, nous observons un tournant inquiétant dans certaines orientations prises qui tendent à saper la conception de la famille prescrite par la Constitution de notre pays et qui sont en contradiction avec nos valeurs traditionnelles profondes. Nous tenons ici à rappeler que l'État est garant du bien commun dont il tire sa légitimité. L'Église, en tant que partenaire de l'État, se tient comme toujours prête à contribuer de façon significative à la protection de la vie et à l'émancipation de la famille gabonaise. Aux institutions de l'État, vous avez la charge de légiférer, protéger, gérer et combattre les injustices et les inégalités dans le quotidien de notre nation. Cette mission se trouve aujourd'hui quevelée au regard de nombreuses modifications du cadre juridique touchant à la famille. L'Église dénonce avec vigueur ces mutations qui font courir un risque d'effondrement de notre société, de ses valeurs les plus chères et de son identité propre. Elle s'inquiète également de nombreux dysfonctionnements enregistrés dans les administrations publiques comme privées, caractérisés par des grèves à répétition dans tous les secteurs d'activité, impactant ainsi la vie des familles. Dans la prise de décision sur les questions aussi cruciales, nous vous invitons à un consensus plus large, au risque de faire penser à un manque de vision quant à la conduite des destinées de notre pays. Au coordinateur diocésain de la pastorale de la famille. Les coordinateurs diocésains ont un rôle spirituel et une mission en faveur des familles qui sont plus que jamais indispensables, afin que les familles ne soient pas comme des brebis sans berger. L'activité évangélisatrice doit résonner au cœur des familles en approfondissant le kérigme. L'enseignement sur le mariage devrait s'inspirer continuellement de l'amour infini du Père manifesté dans le Christ Jésus. Faites-vous proche des familles en donnant une attention particulière aux familles pauvres, aux familles blessées et aux familles divisées, sans laisser personne au bord du chemin. Que la pastorale familiale s'enracine au sein des paroisses et des communautés en ayant pour cible, entre autres, les jeunes, pour leur présenter la beauté du mariage et les y préparer convenablement. Que les couples soient particulièrement accompagnés avant et après leur mariage par la promotion d'une spiritualité conjugale et familiale. Aux accompagnateurs clercs et laïcs des familles. Votre rôle est indéniable. En cheminant avec les familles, vous montrez le visage du Christ compatissant et miséricordieux. Parmi vous, les prêtres, diacres, religieux, religieuses, ont encore un rôle prépondérant en vertu de leur consécration religieuse. Il s'agira avant tout, comme le rappelle le pape François, d'accompagner, de discerner et d'intégrer. Cela exige de vous une grande capacité d'écoute, une grande liberté pour annoncer l'Évangile à temps et à contre-temps, quel que soit le milieu social, un cœur aimant et miséricordieux, capable d'être attentif au signe de l'Esprit dans la vie de ces familles qui sont un don de Dieu. Aux laïcs accompagnateurs des familles, votre proximité avec la réalité quotidienne de ces familles et votre expérience de vie familiale font de vous les protagonistes de la sollicitude de l'Église à leur égard. À ce titre, vous êtes les premiers évangélisateurs des familles. Apportez-leur le soin qu'il faut, mais aussi éveillez l'Église à leurs attentes et ouvrez les chemins de consolidation de leur place dans notre société. Nous, vos évêques, vous invitons tous à prendre au sérieux votre formation à l'écoute et au discernement pour donner un service de qualité. Donnez généreusement et sans relâche du temps aux familles.
au mouvement catholique. Acteur et relais de l'évangélisation de la famille, votre rôle est fondamental dans la protection et la promotion des valeurs chrétiennes de la vie familiale. Nous vous invitons à redécouvrir dans vos activités, à la lumière de l'Évangile et du magistère, les merveilles et la beauté de la famille. Nous demandons particulièrement au mouvement de spiritualité conjugale et familiale d'avoir une présence plus affirmée sur le terrain pour enraciner en profondeur la culture et la spiritualité chrétienne familiale. Inscrivez-vous dans un nouvel élan missionnaire. Aux familles, la joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Chaque famille est un bien et une force pour l'Église, car celle-ci est la famille des familles. La famille enrichit l'Église de nouveaux membres qui sont les premiers témoins de la joie de l'Évangile. Vous, les familles, êtes essentielles pour la construction de l'Église. Face aux défis et enjeux actuels, aujourd'hui plus que hier, vous devez surmonter avec courage et dignité l'adversité multiforme des temps présents. La famille reste le creuset de nos valeurs chrétiennes et culturelles, le lieu de l'amour, le lieu d'ouverture à la procréation, le lieu de la protection de la vie, le lieu de la transmission de la foi et des valeurs humaines. Nous vous exhortons à devenir des églises domestiques où règne la joie, l'amour, la solidarité. Nous vous invitons à prendre comme compagne de voyage la parole de Dieu, à vous nourrir de l'Eucharistie et à construire une spiritualité familiale pour retrouver ainsi votre vocation de sel de la terre et de lumière du monde. Dans votre marche, vous n'êtes pas seul. Nous, vos pasteurs, nous sommes avec vous. Ô Père de famille, vous êtes par votre vocation le prolongement de la paternité divine. Le Père aime et protège les membres de sa famille. Il est le garant de la tradition et des valeurs qu'elle incarne. Le Père garde un rôle irremplaçable dans l'éducation et la croissance de ses enfants. Nous vous invitons à vivre la paternité de façon responsable, à l'image de Saint Joseph qui a pris soin de l'enfant Jésus avec un cœur de père. Vivez dans l'amour et le respect de vos conjointes. Apportez un soin charitable aux autres membres de vos familles. Ô mère de famille, vous êtes mère. Vous êtes le berceau de la famille. Vous portez la vie en vous et vous enrichissez l'humanité par vos enfants. Vous apportez protection et amour à la fragilité humaine. Nous, vos évêques, vous remercions pour votre présence remarquable dans l'Église. L'Église vous doit beaucoup car vous êtes instrument de Dieu. Transmettez les pratiques religieuses à vos enfants afin de porter à la maturation leur foi. Mettez un soin particulier à l'éducation de vos enfants dans un monde de plus en plus changeant. Donnez à votre cellule familiale de témoigner par l'amour envers vos époux de la présence de Dieu. Aux enfants, les enfants sont appelés à recueillir et à pratiquer le commandement « Honore ton père et ta mère ». Ce précepte indique l'accomplissement des engagements familiaux et sociaux dans leur plénitude. Car, comme le dit le livre du Siracide, celui qui honore son père expie ses fautes, celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor. Soyez donc, par votre obéissance et votre comportement, la joie, l'honneur et la fierté de vos parents. Aux jeunes appelés par Dieu au mariage, nous vous rappelons que vous êtes l'avenir de la famille, de la société et de l'Église. Les grands trésors du mariage et de la famille vous sont destinés. Ainsi, percevoir le mariage comme une vocation et l'appel de Dieu mérite votre réponse généreuse. Dans la confusion de notre monde aujourd'hui, où plusieurs modèles de mariage vous sont proposés, sachez discerner lequel participe du dessein de Dieu. Laissez-vous guider par ceux qui réussissent leur vie conjugale et familiale. Prenez aussi le temps de découvrir l'appel de Dieu en participant à des moments de réflexion et de prière. Rappelez-vous ce que Saint Jean nous dit dans son épître. Vous les jeunes, vous êtes vainqueurs. Évitez les pièges de la violence, des stupéfiants, de la pornographie, des placements sexuels et tout ce qui détruit en vous l'image de Dieu. Aux hommes et femmes de bonne volonté,
La famille est au cœur du vivre ensemble et nous en sommes les héritiers. Devant les dangers qui menacent la famille aujourd'hui, l'implication, l'union et la mobilisation de toutes les composantes de la société sont indispensables. C'est pourquoi, face à l'urgence du moment, nous, évêques du Gabon, vous supplions de conjuguer tous nos efforts pour préserver l'intégrité de cette institution essentielle à notre destin commun. Que Notre-Dame du Gabon intercède et protège toutes les familles du Gabon et du monde. Que la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, soutiennent l'institution du mariage de la famille et donnent la sagesse à tous les acteurs qui travaillent au bien de la famille. Avec notre paternelle bénédiction, faite à Port-Gentil le 16 janvier 2022, Son Excellence, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque d'Oyem, vice-président de la Conférence épiscopale du Gabon. Son Excellence, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Son Excellence, Monseigneur Ezebus Chineklesi Obonabanagou, évêque de Port-Gentil. Son Excellence, Monseigneur Séverin Zengi, vicaire apostolique nommé de Makoko. Son Excellence, Monseigneur Basile Vengol, archevêque émérite de Libreville. Son Excellence, Monseigneur Joseph Laurent Kerber, vicaire apostolique émérite de Makoko. Louez soit Jésus-Christ. Avant de céder la tribune à l'ordinaire du lieu, je voudrais rapidement vous présenter tous ceux qui ont participé à cette assemblée plénière, ceux qui ont participé aux travaux j'entends. À tous ces gars tout à l'heure, je voudrais d'abord vous présenter Son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ondoyen, évêque du diocèse de Yem, vice-président de la Conférence épiscopale du Gabon. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Son Excellence Monseigneur Joseph Laurent Kerber, vicaire apostolique émérite de Makoko. Son Excellence Monseigneur Basile Vego, archevêque émérite de Libreville. Son Excellence Monseigneur Séverin Diengui, vicaire apostolique nommé de Makoko il y a 10 jours seulement. Certains ne sont plus avec nous. Il y avait également la présence de Monseigneur Gregorio Pietro Gilasta, qui est le chargé d'affaires à l'annonciature apostolique, qui n'est plus là. Je voudrais vous présenter nos experts. D'abord ceux du comité scientifique, Monsieur l'abbé Ephrem Johnny, près du diocèse de Franceville. Révérend Père Lambert Djananjana, près du diocèse de Port-Gentil. D'autres ne sont plus là, ils ont l'avion à 13h. Monsieur Hervé Solmezui, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Marbourg, et le révérend Père Victor Adamba, près de Libreville. Parmi les conférenciers, il y avait Monsieur l'abbé Jean-David Ndambongo, qui est près de l'archidiocèse de Libreville. Monsieur l'abbé Siméon Moussa, qui est près de l'archidiocèse de Libreville et coordinateur national de la pastorale des familles. Monsieur Danny Becalé et Christophe Minsonda ne sont plus là, ils ont leur vol tout à l'heure. Monsieur Danny Becalé est enseignant-chercheur à l'Université de Marbongo et Christophe Minsonda est informaticien. Monsieur Landry Linamba, banquier du diocèse de Port-Gentil. C'est un laïc. Monseigneur Alexandre Louemba, coordinateur de la pastorale des familles du diocèse de Franceville et vicaire général du diocèse. La révérende sœur Théodora Alumba, religieuse salésienne de Port-Gentil. Quand il y a des papas, il y a des mamans, il y a également des jeunes.
Il y avait aussi une jeune fille, Anne Fidèle Boamé-Mangé, qui a participé aux travaux et qui est là. Les coordinateurs diocésains de la pastorale des familles, Monsieur l'abbé Gislain, abbé sur le diocèse d'Oyem. Monsieur l'abbé Marcelin Ayant du vicariat apostolique de Mapoko. Monseigneur Henri Roger Boudengui du diocèse de Mouéla. Il y avait également des couples. Le couple Obambé qui est parti, qui n'est plus là. Le couple Igalo, de Port-Gentil. Le couple Otou du diocèse de Port-Gentil. Il y avait également M. l'abbé Ajar Mangomo, qui est directeur national des œuvres pontificales missionnaires du Gabon. L'équipe des médias, coordonnée par M. l'abbé Serge Patrick Manikassa, coordinateur national. Louis soit Jésus-Christ. Pour la famille, je ne le dirai pas. Pour nos familles, je ne le dirai pas. Pour ma famille, je ne le dirai pas. Prêtons nos oreilles au Père évêque, Monseigneur Eusebius Chinekezi Okuna Manabu. Que ma bouche chante la louange. Pardon, écoutez, pardon. Ce 16 janvier 2022,
Où s'achève la 29e session de la conférence des évêques du Gabon, qui a réfléchi sur les enjeux pastoraux de la famille au Gabon à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia. Il me plaît de rendre grâce à Dieu en votre présence et avec vous tous. En effet, au moment où je vous parle, je peux vous dire sans me tromper que c'est Dieu lui-même qui a organisé cette 29e session de la conférence épiscopale du Gabon et je lui dis merci infiniment. Nous pouvons l'acclamer. S'il nous a rassemblés en cette messe de clôture, c'est d'abord pour lui dire merci de tout cœur et lui confier avec foi la vie et l'avenir de toutes nos familles et partant l'avenir du Gabon. Du Gabon, notre nation qu'il appelle sa préférence. Nous lui disons merci pour son esprit qui distribue ses dons variés et multiples en vue du bonheur de nos familles. Nous lui disons merci pour tous les mariages qu'il bénit dans notre pays et qu'il soutient avec Marie, notre mère, comme à Cana. Nos remerciements vont à nos pères évêques qui se sont sacrifiés pour porter cette session en vue d'aider nos familles à faire toujours la volonté de Dieu. Et je vous invite à prier particulièrement pour deux d'entre nous qui ne sont pas ici à Port-Gentil. Comme vous le constatez, il s'agit de Monseigneur Mathieu Madégal de Bocayon, qui est notre président, et Monseigneur Dominique Bonnet, avec Émilie de Mula, qui ont des problèmes de santé. Nous vous invitons à prier Dieu pour eux. Nous remercions tous nos experts, ainsi que tous les autres délégués et participants pour leur apport multiforme et éclairant, qui nous ont permis d'avancer dans la bonne direction à la suite de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Nous remercions toutes les autorités locales, en tête desquelles Monsieur le gouverneur de Loubé-Maritime, pour leur soutien divin. Nous remercions affectueusement Madame la Ministre des Affaires Sociales et des Droits de la Femme, qui nous fait l'honneur de participer à cette messe de clôture. Madame la ministre, votre présence ici traduit votre engagement à réaliser la volonté de Dieu en faveur de nos familles, car vous savez parfaitement ce que Dieu attend de vous et ce pourquoi il vous a appelé. Nos prières vous accompagnent. Nous remercions également tous nos bienfaiteurs. La liste est longue, je ne pourrais pas citer tout le monde. Nous remercions tous les acteurs anonymes et efficaces, tous ceux qui nous ont soutenus par leurs prières. Nous remercions aussi les ONG et les associations qui œuvrent en direction de nos familles. Merci à tous et à chacun. Que l'Esprit Saint conduise le Gabon à la suite de Jésus pour la plus grande gloire de Dieu. À toutes les délégations, je souhaite bon voyage et bon retour chez vous. Dieu vous aide. Moi aussi, je vous aide. Ensemble, aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres. Une petite annonce à l'endroit de mes enfants qui sont chez vous, de
10 à 19 ans. Je les attends le dimanche 30. Pas le dimanche 20, mais l'autre dimanche de 7h à 14h30. Ceux qui sont appelés, qui sont appelés au mariage pour le chemin de Toby et Sarah. Certains participent déjà à ces exercices. Je vous attends donc ce dimanche-là au Saint-Sacrement. Il n'y aura rien à payer. Vous apportez votre casse-croûte, de quoi écrire et une Bible, bien sûr. Que le Seigneur bénisse déjà cette journée. Je vous remercie. Pour la famille, je ne le ferai pas. Pour nos familles, je ne le ferai pas. Pour ma famille, je ne le ferai pas. Pourquoi ne pas se donner un plaisir en famille? Il s'agit tout simplement de photos. Une première, après la bénédiction, évidemment. Créateur de tout ce qui existe et Père de l'humanité. Nous te glorifions pour tes œuvres et ton pardon toujours accordé aux pécheurs. Tu as créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Tu les bénis et leur dis, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Seigneur Jésus, au moment où nous réfléchissons à ton gentil sur les enjeux pastoraux de la famille au Gabon, à la lumière de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitien, inspire-nous, conduis et bénis nos travaux selon ta volonté. Nous demandons ton intervention divine dans ce que vit chaque famille de nos jours. Ton Esprit Saint accorde aux parents et à nos enfants d'accueillir ensemble ta parole et de la mettre en pratique. Conduis-les tous à la sainteté et au salut. Par l'intersection de la Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, que chaque famille réalise sa mission sur cette terre et que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Pour les familles au Gabon, je ne le ferai pas. Pour l'amour des familles au Gabon, je ne le ferai pas. Contre les infidélités dans les familles, je ne le ferai pas. Contre les adultères dans les familles, je ne le ferai pas. Contre les familles polygamiques, je ne le ferai pas.
contre les familles homosexuelles, je ne plairai pas. Contre les familles gays, je ne plairai pas. Contre les pratiques pédophiles, je ne plairai pas. Alors prions ensemble le Seigneur. Veuillons nous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Prions encore le Seigneur. Toute force en ce monde vient de Dieu, qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme des bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On est dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et sainte journée à chacun. Nous sommes des enfants.
de clôture de la 29e assemblée plénière de la conférence épiscopale du Gabon. Alors, les autorités se retirent. Thank you.